Voilà une scène que nous sommes en train de vivre depuis ce matin sur Facebook. Une dame qui remet son bébé à un inconnu, soi-disant qu'il est riche, et l'abandonne avec le bébé. Oh, on aurait tout vu sur les réseaux sociaux. Vraiment, l'Afrique est formidable. Regardez un peu la scène, hein. Regardez un peu. T'inquiète pas. Des francs cadeaux. On s'inquiète pas. Ouais, mais... On sait que la petite aura venu. Elle a béni. Avec lui, tu as béni. Va. Non, elle est partie à elle. Elle a béni, va. Ok. Attendez, mais je vous aide. Elle a béni. Des parties. Papa va avec. Ok. Elle a béni. Elle a combien de mois? Elle a une semaine. Et une semaine encore petite, hein. Et Abadro, Abadro Escobar. Abadro Escobar. Il a honte. Elle est même sérieuse. Je me demande si c'est le théâtre ou c'est une réalité. Mais quand on regarde cette scène, il n'y a vraiment pas de théâtre, il n'y a pas de mensonge. On voit une scène réelle. Massa. Moi, je vous pose toujours la question que ça, c'est même quoi ça? Avec tout ce que nous voyons ici dehors, les crimes rituels, les ceci, tout ce qui se passe avec des enfants qu'on kidnappe, même tout ça. Tu portes ton enfant parce que tu en as marre de la souffrance. Tu donnes à un inconnu, même s'il va aller faire n'importe quoi. Toi, tu dis que l'enfant a plus d'avenir dans ses mains. Hey, Bébala, je me pose toujours la question à savoir pourquoi nos parents sont toujours en train d'accoucher en désordre, pourtant il n'y a pas de moyens. Oui. Ils sont nombreux dans les villages là. Il faut toujours déranger les tons, les oncles, les tantes qui sont en ville. On accouche. On n'a pas de moyens. On accouche, on accouche, on accouche pour perturber les gens. Pour appeler tel oncle, telle tante, aidez-moi, aidez-moi. Maintenant, quand tu refuses, ça devient les problèmes. Mais mon frère, est-ce que vous êtes obligé de faire des enfants en désordre quand vous n'avez pas assez de moyens? Regardez maintenant à quoi on se retrouve, à quoi on se réduit. Un inconnu, quelqu'un qui ne te connaît même pas. Ce n'est même pas un oncle, ce n'est même pas une tante, ce n'est personne de ta famille. Juste parce qu'il est riche, tu portes ton bébé, tu que papa. La femme a dit que l'enfant aura un avenir meilleur dans les bras de ce riche par rapport à elle. Et quand tu faisais cet enfant, quand tu conservais cet enfant, tu avais pensé que tu n'avais pas les moyens pour prendre soin de cet enfant. Si vous n'avez pas assez d'argent, ne faites pas les enfants seulement pour faire. On ne refuse pas que tu ne dois pas mettre au monde au moins un ou deux enfants. Mais si tu veux multiplier les enfants, c'est en fonction de tes moyens. Ah, les Africains. Et après, on va maintenant accuser le gouvernement, l'État. Vous niassez en désordre, vous bombardez les enfants en désordre. Vous n'avez pas les moyens pour après maintenant crier dans les rues que galet, galet, galet. Ha! En tout cas, que Dieu nous garde seulement. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met en votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.